Bao, mon peuple, comment vous allez? J'espère que vous savez, vous connaissez. Vous avez vu le titre aujourd'hui, ça va parler des trucs qui fâchent un peu tout le monde. C'est pas un plaisir, c'est pas un pied, on n'aime pas quand on nous le fait, mais c'est un fait. Donc, ben avant tout ça, hein, générique. J'essaie juste des Pablo, de mettre quelque chose sur la table. Et ces fils de salauds veulent m'empêcher de boire, c'est dans le sale. Et je veux un Boeing comme Tamblo. Voilà, vous voyez, j'ai changé un peu de disposition. C'est quand on veut le room tour, ils savent que dans mon appartement, il n'y a pas 4000 pièces. Mais tu vois, c'est pour la lumière, la light. La light, tu vois, la lumière, là, tu vois, je suis plus beau. Je suis plus beau sur le téléphone qu'en vrai, frère. Pourquoi les hommes trompent? Pourquoi on est amené à le faire? Pourquoi? Hein? Pourquoi tout le temps t'as gassé les fonds? Hein? Pourquoi toujours nous? Pourquoi toujours nous les coupables? Je vais essayer de, tu connais, de dire un peu ma science. On va prendre trois grandes raisons. Vous connaissez moi, le mentaliste. On va vous expliquer un peu la vie. Trois grandes raisons. Et puis voilà, c'est parti. La première raison, déjà. Il faut le dire. Il faut le dire. Nous, les gars, les garçons, les mâles, on a un taux de réussite très, 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 très faible comparé aux femmes lorsqu'il s'agit de relations, de séduction. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais un peu te prendre un exemple simple. Dans la rue, il y a 10 meufs qui passent. Tu vois? Sur les, mais du coup, tu vas draguer les 10, un exemple, hein. Allez, t'auras peut-être 4, 5 qui vont répondre favorablement. T'auras un petit numéro, un petit truc et tout. Tu vois ce que je veux dire? Même si t'es le plus beau de la terre, hein. Parce que tu vois, des fois, elles ont pas le temps, elles sont pas, tu connais, elles sont pas sans ça, frère. Elles sont d'autres gars, et puis, il y a plein de gars derrière, donc frère, c'est pas toi, elles sont bas les couilles, frère. À part si t'es Neymar ou je sais pas, elles sont bas les couilles, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les femmes, elles ont l'embarras du choix, frère. C'est vraiment si elles veulent que ça va se faire. Donc déjà, à partir de là, quand tu vois, t'es un gars, t'es avec ta copine, t'en haut, tout va bien, tranquille, t'es content et tout. Quand il y a une meuf, frère, qui vient te parler, tu te dis, wow, ça passe quoi là? Déjà, là, première réaction, t'es là, oh, on est où? Pourquoi moi? Pourquoi si je l'ai lu? Tu perds la tête. Donc, ok, d'accord, ça se passe et tout. Et quand la meuf est jolie, surtout mon gars, tu sais pas quoi faire. Tu te dis, mais comment c'est possible en général? Non, nanana, là, on vient m'aborder. Donc, direct. Et voilà, sachant que les femmes ont 95% de réussite, mon gars, elles viennent t'aborder, elles te DM, oh, 9 fois sur 10. C'est moi le dixième qui tombe pas dans le panneau. Mais 9 fois sur 10, tu tombes dans le panneau, mon gars. T'es dans la sauce. Tu te dis, ah ouais, bon, peut-être je vais aller goûter. Peut-être je vais aller tester. Et c'est pour ça qu'au final, cette première raison fait que, il y a un problème. Il y a, de côté, si R7, ça veut dire elle va tout le temps scorer. De l'autre côté, frère, on a qui? On a un gars comme, tu vois, Oaro à l'ancienne. Tu vois, un joueur, c'est un bon buteur, mais, donc voilà, en gros. Deuxième raison, raison numéro 2, tu connais. En gros, ben voilà, c'est ce qui fait que malheureusement, c'est notre ego, tu vois ce que je veux dire. Mon frère, je sais pas pourquoi, nous, on est tout dans l'optique. Scorer, baiser. Il faut montrer que nous aussi, on est là. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça que le Seigneur nous a fait, mais notre ego fait qu'on peut pas laisser ça passer. Tu vois ce que je veux dire? Oh, il y a une, comme j'ai dit, il y a une meuf nice, belle qui te parle. Tu peux pas laisser ça passer. Tu vas te dire, mais oh, mais je suis un homme, hein. Oh, c'est moi, mon gars, c'est moi qui... Je ressens, c'est moi qui dois montrer que femme pas femme, je m'en bats les couilles. Copine, je m'en bats les couilles. Tu vois, notre ego nous parle. Notre ego nous dit en tant qu'homme, on doit rendre ce service à l'humanité. Mais le problème dans tout ça en plus, et ce qui est le plus drôle, c'est que toi, t'es là, tu connais. Tu vas aller baiser 10, 20 meufs, 30 meufs, 40 meufs. Oh, t'es un homme pour toi, c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Et mon frère, ta meuf, elle va embrasser. Oh, même pas embrasser, frère. Oh, je sais pas, faire une sortie au cinéma avec un gars. Tu deviens malade. Au tabou, c'est 30 meufs, hein. Elle fait un smack à un gars, tu deviens fou. Pour te montrer à quel point tu connais notre ego, nous joue des tours. Tu vois, les meufs, quand elles sont amoureuses. Elles voient que toi, elles. À part les vrais bitch. Mais en général, tu connais, quand elle est amoureuse, tu vois, elle voit que toi. Vous connaissez ça, les gars. Donc, du coup, mon gars, dans ce cas de figure, pour toi, elle est acquise, mon gars. Quoi que je fasse, ça va passer. Je peux tremper une fois, deux fois, trois fois, ça va passer. Au final, c'est ce que tu fais. En fait, comme pour toi, elle est acquise. Si on revient à la première raison, si y a une fille qui vient, tu te dis, de toute façon, elle est dans ma poche. Quoi que je fasse, c'est bon. Ça va passer. Donc, notre ego fait que malheureusement, on veut toujours scorer, toujours prouver, toujours montrer que, toujours. Alors, ça veut dire, oh, t'as une, tu veux plusieurs, tu veux deux, tu veux trois. Tu te sens fort quand ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens la puissance. Tu te dis, ah ouais, là, en fait, je suis utile pour la société. On est bon qu'à ça, après tout. Nous sommes des animaux. Donc, en vrai, l'ego, la deuxième raison, c'est que notre ego nous fout dans la merde, dans la sauce. Et la raison numéro 3, bon,
Peut-être que c'est la dernière. Je sais pas s'il y a d'autres qui vont me venir en tête, tu connais. Mais la dernière raison, hein, c'est que il y a des meufs, frère, elles sont vraiment trop bonnes. Voilà, il faut dire, oh, c'est tu. Je comprends pas, en fait, pourquoi ça existe. Je comprends pas. Sans ce, je vais voir un peu d'autres, tu vois, parce que là. Je comprends pas. Il y a des meufs, c'est trop, frère. Mon gars, elles mettent des, tu connais la celle-là, elles mettent des shorts, frère. Tu vois, les fesses bougent, du, quand ça marche gauche, droite, tu vois, ça se marie avec l'espace. Comment tu peux résister à ça? Après, frère, beau pied, beau ongles, beau vernis. C'est quoi cette souffrance aussi, frère? Beau cheveux, t'es là, oh. Franchement, hein, c'est pas une excuse. Mais il faut arrêter aussi, arrêter. Soyez toutes moches, soyez toutes flat. Laissez-nous en paix, s'il vous plaît. Frère, t'es là, tu vois, des bails. Vous connaissez, on va aller sur, on va aller voir, on va aller check Instagram. Parce que non, là, on n'en peut plus. J'ai préparé la page pour vous, les gars. Vous connaissez nous, on va pas dormir. Ah, direct, on tombe sur ça. Bon, peut-être que, regarde, comment tu peux, je comprends pas, en fait. Regarde, même lui, il est content, tu vois, le mec là. Regarde, il est content. Il est content quand il voit ça. Il est content. C'est non, c'est, est-ce que, on peut pas résister, mon gars. Qu'est-ce que je te dis aussi, frère? T'es là, c'est normal, ça vient te parler. Regarde ça. Ça vient te parler. Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Tu vas dire non, mais t'es qui pour dire non, en fait? Mais t'es qui pour refuser ce genre de don du ciel? Mais voilà. Moi, je comprends pas non plus. Donc, arrêtons les conneries, hein. C'est bien cool. Oui, on est les mauvais. Bla, bla, bla. Parce que vous connaissez l'histoire. Les femmes, ça, une femme, ça peut tromper. Mais ça trompe rarement que pour du sexe. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, si tu vois avec ta meuf et puis niveau sexe, t'es éclaté, t'es nul, mon frère, elle va te mettre à gauche en deux, tu vois, elle va, t'inquiète, elle va te le faire comprendre, ça va. Mais, c'est pas genre, elle est là avec toi, elle te kiffe, et puis que pour aller baiser, elle va te tromper. Non, ce sera pour un ensemble. Tu connais les meufs aussi, c'est un ensemble, c'est un peu, ah, il manque ça, oui, d'accord, oui. Lui, il m'apporte plus, nanana. Avec lui, je me sens plus à l'aise, je me sens, tu vois, c'est, alors que nous, frère, y a pas de bla, 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 juste, la meuf, ça, elle, là, tu vois, tu la vois, ok, tu veux la baiser, juste, tu la baises, après, au pire, allez, hop, tu vois ce que je veux dire, c'est ça le problème aussi, c'est que nous, on pense vraiment trop avec l'engin, tu vois, mais bon, on revient au problème de base, on regarde même le singe, t'as vu, en fait, aïe, 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 les gars, je vous dis, tout animal succombe, donc, par contre, après, les refs, perdez pas votre tête, devenez pas fou, commencez pas à ralasse, commencez pas à devenir des pélicans, des canards, des oifs, des, commencez pas à devenir fou. Parce qu'après, je connais des gars, ils parlent que de ça, ils disent bla, 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 tu vois. Concentrez-vous un peu sur vous, vous connaissez vos petits projets, trucs comme ça et tout. Mais, il faut rappeler, oh là 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 là. En plus. Mais c'est ça aussi, c'est ça qu'on reproche à la société. La société, tu peux pas, qui d'autre? Allez. Frère, c'est bon, allez, on va. Voyons voir. Tu vois, elle a déjà michto. Pour ça, je vous dis, faites attention à vous, à vos poches. Parce qu'après, quand vous michto, vous allez pleurer. Non, mais non, 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 non. Tu vois, ça, par exemple. Pas de gros seins, tu vois ce que je veux dire. Mais. Ça, c'est pas bon. Pourquoi tu as fait ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bon, comment tu peux, c'est pas bon ça. Bref, je sais pas quoi vous dire. Il faut arrêter, en fait, il faut arrêter ça. Aller à l'église, arrêter les garçons. Moi, je suis l'homme unique qui ne suis plus dans ce genre de choses. Mais s'il vous plaît, arrêtons, on peut résister, on peut penser à autre chose, à nos projets, à nous, on peut fermer les yeux quand vous voyez ce genre de choses. C'est le diable. Bref, c'était le J pour vous servir, hein, vous connaissez, c'est une vidéo un peu instructive, c'était moi, je vous aime, partagez, abonnez-vous, likez, et puis...